Eh bien, on va commencer, Bichente, avec une belle histoire, celle d'un joueur doué mais souvent décrié pour son manque d'efficacité. Buteur avec les Bleus, buteur avec le Paris Saint-Germain vendredi soir face à Monaco. Voici Ousmane Dembélé, le talent et enfin l'équilibre. Sarah Fenzari et Mamoud Traoré. Un grand Ousmane Dembélé, auteur d'un but et d'une passe décisive. Ces dernières semaines, je suis content des prestations que j'ai faites avec le Paris Saint-Germain. Je monte petit à petit en puissance et puis j'espère que je vais continuer comme ça. Un choc qui a tenu toutes ses promesses. Paris, porté par son Français, lancé vers Newcastle. Moi, je l'ai trouvé incroyable, surtout dans les dribbles, dans les feintes de corps. C'est ce qu'on attendait de lui, il s'est réveillé. C'est un truc de fou, j'ai même pas les mots. Il était trop fort. Une ovation du parc pour Dembouze, comme un déclic pour lancer définitivement son aventure au Paris Saint-Germain. À 4 jours d'un match décisif en Ligue des Champions face à Newcastle et en retour de trêve, Paris recevait Monaco. Et c'est un match très important. La clé, c'est la qualité de joueur, c'est l'équipe, c'est le groupe. Un groupe rythmé par l'activité débordante de l'ancien Barcelonais. Et cela faisait quelques semaines, quelques matchs même, qu'Ousmane Dembélé montait en puissance. Un premier but cette saison en équipe de France quelques jours plus tôt. De quoi mettre le Français en confiance qui, lors de ce rassemblement, s'est livré à quelques confidences au micro de Téléfoot. C'est important, mais comme je le dis souvent, le but pour moi, je préfère faire de bons matchs, même si je marque pas, mais je suis content d'avoir marqué. Vendredi soir, inspiré dans ses dribbles et dans ses passes, déroutant dans ses accélérations, Dembélé a dynamité la défense monégasque avec son acolyte du côté droit, Achraf Hakimi. Une complémentarité parfaite pour l'ancien parisien Eric Rabessandratana. Il est dans une bonne dynamique. Il va falloir qu'il continue à percuter comme ça. Il y a une vraie relation avec Hakimi sur le côté droit. À l'origine du premier but inscrit par Gonçalo Ramos, puis du pénalty transformé par Kylian Mbappé sur le deuxième, Dembélé était déjà décisif en plus d'être brillant. J'essaie d'apporter beaucoup d'occasions, de faire des passes décisives ou bien de marquer des buts. Et comme je le dis, ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain, je suis content de mes prestations. J'essaie de continuer, voilà, même si je ne marque pas, faire une passe décisive. C'était avant de boucler son récital avec un but sublime, son premier à Paris. Dembélé qui a réussi à s'emmener le ballon. Et le premier but pour Ousmane. Son but, c'est du 100% Dembélé. Contrôle de l'extérieur du gauche en pleine course et frappe du droit sur la transversale. Ce but est une très bonne nouvelle, avec toutes les bonnes ondes que ça va lui apporter. Depuis le début, je suis heureux qu'Ousmane ait choisi le PSG. C'est pour moi le joueur qui crée le plus de déséquilibre au monde, sans aucun doute. Du banc, il assiste au troisième but de Vitinha cette saison avant la conclusion d'une soirée parfaite par Randal Kolo Muani. Le plein de confiance pour la réception de Newcastle mardi. Ça va être important, surtout on y pense énormément. Voilà, on veut bien faire, surtout devant notre public. On va tout faire face à Newcastle pour avoir les 3 points et penser au prochain match à Dortmund. Nous voulons terminer leader de ce groupe. Le nouveau pensionnaire du Paris Saint-Germain a même été félicité sur les réseaux par son grand coéquipier Kylian Mbappé. Preuve de leur relation sur et en dehors du terrain. Je suis content d'être dans le même club que lui. Il y a aussi Colo, il y a Lucas Hernandez, voilà, il y a pas mal de joueurs qui jouent en équipe de France. Maintenant Warren aussi. Et ouais, je suis content d'être avec lui en club. Voilà, on essaye de donner le maximum pour que le PSG gagne énormément de trophées. Un but, 4 passes décisives, 35 dribbles réussis. Il est le meilleur passeur et meilleur dribbleur cette saison en Ligue 1. Enfin, Dembélé rime avec beauté et efficacité. Bichente Dembélé, symbole d'un PSG rassurant avant de retrouver Newcastle en Ligue des Champions? Symbole, ça on ne sait pas encore, parce que le niveau de la Ligue des Champions n'a rien à voir avec le championnat de France. Mais lui, en tout cas, c'est important qu'il soit décisif. Ses qualités de dribble, ses qualités de percussion pour déstabiliser une défense, elles sont extraordinaires, on le sait. Ce qui manquait, c'est sa précision devant le but. Il a marqué 2 buts cette semaine avec l'équipe de France, avec le Paris Saint-Germain. Sur 3 buts, il est impliqué face à Monaco. Et il a été décisif. Et je pense que dans son processus de progression, c'est là où il faut qu'il soit absolument obnubilé par l'idée d'être décisif. Décisif, c'est la passe, c'est le but. Il faut qu'il continue comme ça.
Et donc ce pari bien lancé vers Newcastle mardi, mais toujours pas rassuré par le jeu au pied de Gigio Donnarumma. Et oui, le gardien italien qui s'est illustré, ce n'est pas la première fois, par une erreur dans son jeu au pied vendredi soir face à Monaco. Donnarumma qui a tardé à se relancer à la 22e minute de jeu. Sous la pression de Balogun, il remet directement dans les pieds de Minamino. Ça ne pardonne pas, but pour l'AS Monaco. But de l'égalisation, sans grande conséquence au final, mais une erreur qui n'est pas sans nous rappeler celle qu'il avait commise face au Real Madrid en Ligue des Champions sous la pression de Karim Benzema cette fois-ci. Bichente, il est impérial sur sa ligne Donnarumma, mais ça peut être un vrai problème pour le PSG, son jeu au pied. Oui, ça peut être un problème sur des matchs décisifs, bien sûr, mais je dis toujours pourquoi est-ce qu'on va mettre en difficulté quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Un gardien de but qui n'est pas à l'aise avec ses pieds. Bah, tu le mets dans des situations où il n'a pas à jouer au pied, il est très très fort dans un autre registre, et peut-être tu joues un peu moins avec lui, tout simplement, parce qu'il ne va pas progresser énormément. On voit, hein, depuis pas mal d'années, c'est toujours récurrent chez lui. Donc moi, je crois qu'il faut éviter de trop jouer au pied avec lui, tout simplement. Très bien. J'ai envie de dire enfin pour Ousmane Dembélé, les amis. Ousmane Dembélé a sorti une top performance contre l'AS Monaco. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Ousmane Dembélé, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Si tu aimes sur des thématiques, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est fort de partir. Alors, les amis, Ousmane Dembélé a fait un match monstrueux, les gars. Monstrueux contre Monaco. Et franchement, c'est des choses à saluer parce que c'est un mec qui a été critiqué. Moi, le premier, je l'ai critiqué parce que c'est un jeu qui a beaucoup de talent. Et lorsque tu as beaucoup de talent, on attend beaucoup plus de toi. On attend beaucoup plus de toi et moi, j'attends beaucoup plus doucement Dembélé. Il était très décevant. Il était vraiment très décevant depuis le début de la saison, voire même catastrophique dans certains matchs. Et du coup, donc, est-ce que ce match va permettre à Ousmane Dembélé de prendre confiance et d'en sortir plusieurs de ce match, plusieurs gens de ce match, les gars? Parce que quand tu es Ousmane Dembélé, champion du monde, ce genre de match doit être ton quotidien. Tu dois produire ce genre de performance match après match. Match après match, les gars. Ousmane Dembélé, il est très fort pour déstabiliser les équipes. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lucien Riquet. Que pour lui, c'est le meilleur déstabilisateur du monde. Il est très fort pour déstabiliser une défense. Très fort. Là où il pêche, c'est dans l'avant-dernière passe, la dernière passe et la finition. Parfois, il est souvent mauvais. Dans la dernière passe, parfois il est mauvais dans la finition, il n'arrive pas à finir ses occasions. Il dribble, mais lorsqu'il faut donner la passe décisive, lorsqu'il faut marquer le but, il est souvent maladroit. Et j'espère que Lucien Riquet est en train de le faire progresser sur cet aspect. Parce que pour moi, il peut encore progresser. Pour moi, ce n'est pas la meilleure version de Ousmane Dembélé qu'on a vu face à Monaco. Lui au PSG pour l'instant, c'est la meilleure version. Mais lorsque moi je vois le Ousmane Dembélé de Dortmund, c'était un Ousmane Dembélé qui était pour moi beaucoup plus fort. Il a formé un duo avec Aubameyang qui était monstrueux. Lorsque tu vois les dernières performances de Aubameyang avec le Barça de Xavi, c'était des performances de très grande qualité. Donc déjà au Barça, la fin de son règne au Barça était déjà très 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 bonne. Et moi, c'est pour ça que moi j'étais très dur avec lui, très très dur, parce que lorsque tu es Ousmane Dembélé, tu ne dois pas produire les performances qu'on a vues par le passé. Tu ne dois pas produire ce genre de performances. On doit attendre beaucoup plus de toi, beaucoup plus. Et je suis content pour lui parce qu'il a montré un visage vraiment, un visage sérieux face à Monaco. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Maintenant, donc, parlant du PSG, on va parler un tout petit peu de ce PSG Monaco. Certes, le PSG a gagné 5 buts à 2, mais je trouve qu'il y avait encore des lacunes, notamment défensivement. C'est inadmissible que Monaco tire 14 faux buts.
14 fois. 14 fois, les amis. C'est énormissime. Ils ont cadré 7 tirs. Ils en ont tiré 14 fois pour 7 tirs cadrés. Je trouve que c'est énorme. Si le PSG tombe sur une équipe clinique, mais ils perdent le match. Ils peuvent perdre le match. Donc, moi, je trouve que ce sont des points que Luis Enrique doit travailler, la défense. C'est un point qui menace Luis Enrique. Autant offensivement, il commence déjà à construire quelque chose d'intéressant. Autant défensivement, il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à dire défensivement. Ce n'est pas encore top. Ce n'est pas encore top. Et est-ce que ça va l'être un jour? Parce qu'on est déjà, au mois de décembre, presque la trêve. Et Luis Enrique n'a pas encore trouvé son équilibre défensif. Son équilibre défensif. Donc, j'espère qu'il va le trouver. Il va trouver cet équilibre. Parce que dans les gros matchs de Ligue des Champions, ça ne pardonnera pas. Ça ne pardonne pas en Ligue des Champions. Ça ne pardonne pas en LDC. Lorsque tu n'es pas bon, tu perds le match. Tu perds le match. Et Newcastle également, ils ont pulvérisé Chelsea. Newcastle arrive au Parc des Princes en Ligue des Champions étant en forme face au PSG. Donc, ce match qui s'annonce très palpitant et j'ai hâte de voir ce match. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur Ousmane Dembélé. Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!